Allez, on commence tranquillement ce matin. Et bonjour à tous et bienvenue sur le Bacalo Live. Le live où le streamer il fait des voix cheloues qu'il assume pas. Il arrive même pas à continuer tellement il assume pas. Plus tard quand tu reviens, je crois qu'il y a une matéria ici. Est-ce que tu pourras revenir dans le futur? Quand tu trouveras la clé du secteur dans les déchets. De toute façon, tu peux pas le récupérer maintenant. Hein. C'est cassé. Là, il y a le restaurant. Je me disais qu'il manquait des trucs. C'est bizarre parce que je croyais qu'ici on avait déjà bio. C'est peut-être plus tard qu'on a bio. Bio qui est la magie poison, bien sûr. Juste the best magie ever. J'ai un peu de sous encore ou pas? 8 000? On va l'acheter une 5, 6, 30. 5 parce que j'aime bien acheter par 5, mais. Ou 10. On va prendre par 10. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bon, les super potions pour l'instant, on s'en fout. Le collier. Après, on a des antidotes, on a des queues de phénix. Pas phénix. Mais c'est pas grave. Mais quand on a coupé la queue, après, derrière, on les fait cuire. Ça fait des bonnes poulets. On fait des beignets avec. Vous êtes sur le stream du Bacal tout ce matin et il est bonne humeur. Normalement, aujourd'hui, je reçois un colis. Alors, on sait jamais si ça sonne, je m'enfuis. Avec un peu de chance, pas pendant un combat. Donc, tu vas me dire, il me suffit de cliquer en dehors de l'écran du jeu et ça met stop au jeu. Mieux qu'une pause. Plus fort que fort. Plus fort que le Roquefort. Bacal, les blagues pourries, bien sûr. Embuscade. Vous essayez de m'embuscader. Ah oui, ce qu'on tire, ça sert à quoi, en fait? Niveau 9, 72. Ok. Ah. Oh, c'est mieux que rien. Au moins, elle va les taper. Faudrait le mettre en mono, le jeu. Faudrait le mettre en mono. Oui, c'est vrai qu'on peut changer les couleurs de la fenêtre et faire un décor full tata. Je me rappelle la première fois que j'ai joué au jeu, j'avais fait un truc, c'était coloré de tous les côtés, on comprenait plus rien.
De petites touches de violet. Ponceau Twitch, bien sûr. Elles sont belles. Comme des hirondelles. Après, je les arroserai. Elles sont belles. La porte! La porte! Ah, il y a un mur invisible. Fallait s'en douter. J'essaye de fuir. Toujours. J'aime connaître les limites de mon univers. Salut Milly! C'est pas le moment. Ouais, faut que j'aille voir la maman de Airi. De Milly, pardon, excusez-moi. Et pépette, ta mère ne t'a jamais appris de servir les gens chez toi, là. Vas-y, j'ai plus de muscles que toi. Hein. Comment ils me cherchent? Elle va te raconter une belle histoire. Ouais, ça me déprime déjà. Vous avez vu quel symbole de Zelda sur le mur? Ou pas? Ta-da-da-da. Encore une fin cécile de l'ingénieur. La fille a une caisse enregistreuse avec 12 câbles qui en sortent. C'est la technologie, on comprend pas. Le travail, c'est pas le fun. Ouais. Le faire avec. Turtle Paradise. Un éther au turbo. Je savais qu'il fallait laisser cet argent au gamin. Je savais qu'il y avait une raison. Enfin, si avec 5 gilles il a obtenu un Ether Turbo, moi je veux que ça soit mon conseiller financier. Tu n'as rien. Ouais, il me semble que les affiches Turtle Paradise, si tu trouves toutes les affiches, t'as un bonus, un objet ou une connerie. La compulsivité de la sauvegarde. Le mec, il a tellement l'habitude de sauvegarder toutes les 5 secondes. Clad, c'est bien ça. C'est au sujet de Melee.
Je suis désolé. Elle est entre les mains de la Shinra. Je sais. Ils sont venus la chercher ici. Ils sont venus ici. C'est ce que voulait Milly. Mais pourquoi la Shinra recherche-t-elle Milly? Bisous, Milly. Bonne journée au travail. Milly fait partie des anciens. C'est la seule survivante. Quoi? Vas-y, qu'est-ce que tu me racontes là? Je ne suis pas sa vraie mère. Ça doit faire 15 ans maintenant. C'était pendant la guerre. Mon mari avait été envoyé au front dans un endroit lointain appelé Wutai. Wutai? Un jour, je suis allé à la gare parce que j'avais reçu une lettre disant qu'il allait rentrer de permission. Y avait Big The Wedge qui jouait sur le lampadaire. Non, c'est Jesse. Jesse et Wedge. Pardon, excusez-moi. Big, c'est le gros. Forcément, Big. Un couple amoureux s'amusait. Une femme voyait son mari rentrer. Et moi, seul sur le bord de la gare, je restais là à attendre. Encore et encore. Un mari qui ne rentrait pas. J'étais là, seul et déprimé sur les marches. Hello, Lay. Nice to see you, man. I hope you have a good day. I'm really bad in English, sorry. Mon mari n'est pas revenu. Je me demande s'il lui est arrivé quelque chose. Ils ont juste dû annuler sa permission, voilà tout. Je suis allé à la gare tous les matins. Et un jour. Thank you, man. You want to create thank you, but why? We don't even know each other, man. Oh. Okay, man. C'est un spectacle auquel on était habitué pendant la guerre. Trouver des gens morts sur la gare. Avec le mec de la SNCF qui restait derrière sans nous dire un mot. Et là, la femme m'a dit: S'il vous plaît, amenez Millie en lieu sûr, s'il vous plaît. C'est la dernière des Canadiennes. Mon mari n'est jamais revenu. Je n'avais pas d'enfant et je me sentais seul. Alors j'ai décidé de l'emmener avec moi. Millie et moi sommes vite devenus très proches. C'était une enfant loquace. Elle me parlait de tout. Tout est fini entre nous. Elle m'a expliqué qu'elle s'était enfuie d'une sorte de laboratoire de recherche, je ne sais pas où, que sa mère était déjà retournée à la planète, et que par conséquent, elle n'était pas seule. Et bien d'autres choses encore. Retourner à la planète? Qu'est-ce que tu racontes, grosse? Je ne comprenais pas ce qu'elle voulait dire. Je lui ai demandé s'il s'agissait d'une planète dans le ciel, mais elle m'a répondu que non, c'était bien cette planète. C'était une enfant très mystérieuse, à bien des égards. Maman!
Attendez, je vais aller voir ce que le bot me propose. Créé le 17 septembre. Hop! Finalement du matin. Tout va mieux après. Ne pleure pas, s'il te plaît. Millie a dit ça soudainement. Je lui ai alors demandé s'il était avec quelque chose. Quelqu'un qui t'est cher vient de mourir, maman. Son esprit est venu te voir, mais il est déjà retourné à la planète. À ce moment-là, je ne l'ai pas cru. Mais quelques jours plus tard, nous avons reçu un avis nous informant de la mort de mon mari. Ça a mis plusieurs jours alors que les mecs ont des moyens de télécommunication de fou, tu sais. Et la vie continua ainsi. Malgré de nombreux imprévus, nous étions heureuses jusqu'au jour où... Je suis venu prendre votre vie, nous allons en faire un M. Non, jamais! Mélie, tu es un enfant très spécial. Du sang spécial coule dans tes veines. Ta vraie mère faisait partie des anciens. J'ai alors compris qu'elle faisait partie des anciens. Principalement parce qu'il me l'avait dit. Les anciens vont nous mener vers une terre de bonheur suprême. Mélie sera capable d'apporter le bonheur à tous ceux des taudis. C'est pour ça que la Senra aimerait bien obtenir son aide pour faire des bons sakés. Il a tort! Je ne vais pas partir des anciens! Non! Mais Millie, tu n'entends pas la voix de la planète? Il s'est transformé de chinois à nazi à rechinois. Chinois, nazi, rechinois derrière. Non, j'entends rien! Je veux trop pas! C'est trop un vilain! Ainsi, elle connut une croissance rapide et elle passa de l'âge de 10 ans à l'âge de 21 ans en 5 secondes. 1, 2, 3. Pourtant, je le savais. Je savais pour ses dons mystérieux. Mais comme elle essayait de les cacher, je fis comme si de rien n'était. C'est surprenant qu'elle ait réussi à échapper à la Shinra pendant toutes ces années. La Shinra a besoin d'elle. Donc je ne pense pas qu'ils auraient pu lui faire du mal. Mais alors pourquoi cette fois-ci? Elle a amené une petite fille avec elle. Tseng les a trouvés en chemin. Elle n'a sans doute pas réussi à s'échapper. Alors que la fille de Sosen est sauve, elle a décidé de se rendre à la Shinra. Il doit s'agir de Marlène. Wesh ma fille! Elle est où ma fille? À cause de ma fille, ça s'est fait prendre. Attends, je vais lui mettre une raclée à celle-là. Excusez-moi, madame. C'est trop la faute de ma fille. Je suis désolé. Tu es son père. Comment as-tu pu laisser une enfant seule comme ça? S'il vous plaît,
S'il vous plaît, vas-y, tu me parles pas comme ça, toi, là. C'est bon, je sais très bien qu'elle va être toute seule si je m'en vais. Il faut comprendre, quoi, j'ai pas de réponse. Moi, je veux être avec Marlène, mais il faut sauver la planète. Le Ticard, quoi. Sinon, le Ticard, il sera fini. Alors, il faut aller se battre, quoi, taper les keufs, la Shinra, là. Tout ça, quoi. C'est pas pour ça que je suis pas inquiet, quoi. C'est ma fille. Voyez, tout tourne en rond. Je crois que je comprends. Vous êtes un con. Elle dort à l'étage. Va la voir. J'en ai marre de te parler. Dégage. C'est de ma faute. C'est à cause de moi que Millie a été impliquée dans cette histoire. Ne dites pas ça. Elle ne le pense sûrement pas. Vas-y Marlène, je suis trop content que t'ailles bien quoi. Ne pleure pas, papa. Ta barbe me pique. Ouais, je clope. Tu vas aller aider Mimi, hein. Elle a tant fait pour moi. Si la Shinra est responsable, je peux pas rester là, vas-y. C'est trop important, j'arrive. Défendre les copains. Devine quoi, devine quoi? Mini m'a posé plein de questions. Comme, quel genre de garçon il est? Je crois qu'elle t'aime bien, Clan. Je ne le dirai pas, Mia. Mamma mia. Je vais chercher Millie, c'est ça. Oui. Je viens avec toi. Nous allons. Nous allons au cœur du QG de la Shinra. Tu dois te préparer au pire. Je sais. Je suis bien destiné à donner tout ce que j'ai. L'heure n'est plus à la réflexion, mais à l'action. Wesh, tu peux t'occuper de la petite encore un peu là? Va aller chercher ta fille. Oui, bien sûr. Cet endroit est dangereux. Wesh, faut quitter le petit écart, c'est trop dangereux. Faudrait mieux de partir. Tu as raison, mais promets-moi de revenir pour elle. Ne te fais pas tuer. Longtemps que t'es avec la vieille? Oh, me dis jamais rien, moi. Comment on fait pour aller à la Shinra? Ouais, y a plus de train et tout ça, quoi. Ils ont tout coupé. On devrait aller à Wall Market. On trouvera certainement quelque chose. Une grande corde pour y aller. Ou pour se pendre. Ça dépend. J'ai tellement peur.
Et là, la grande question, est-ce qu'on fait une entrée de force ou pas? Il y a le choix entre rentrer par l'ascenseur et donc se battre toutes les 5 secondes ou prendre le grand escalier sans fin qui nous rappelle Metal Gear Solid 3 ou Ghostbusters sur NES. Choisis ton camp, mon frère. Je crois qu'il y a quelque chose après. T'es même pas fatigué une fois, quoi? Vous êtes sérieux? Trop smooth en ce moment. Et hop. Bah, c'est les plaines de poussière, tu la vides dans le caniveau. Et t'en recommences une. Vous voulez voir un truc génial? Venez par ici. Ok. Avery. Ascenseur pour Alucard et moi l'escalier. Ah putain. Merci les amis de pas m'aider. Ils ont grimpé le long du câble. Il fait peur. Vous croyez qu'on peut y grimper? Ça mène au monde du dessus. Ouais, vas-y, on y va là. Bon, on n'y arrivera jamais. Tu as une idée du jusqu'à où ça monte? Ah si, ça reste possible, frère. Faut y aller. C'est juste un câble. Ah ouais? Vas-y, t'as trop peur, quoi. Tu as raison, c'est le seul moyen qu'il nous reste de sauver Millie. Montons sur un câble aléatoire, random, Mila. Bon, après, c'est un RPG, donc c'est vrai que. Plus de chances que ça marche. Ok, je comprends l'image, mais. Franchement, pas une bonne idée. Allons-y. Mauvaise troupe. Dans la réalité, personne ne montrait dans ce câble en se disant si, si, c'est par là. No mercy, Avery. Bon, oh, c'est horrible, ça fait peur. Hein. Papa dit que c'est la Shinra qui a fait ça. Ton papa est très brillant. Ça marche pas, je les ai récupérés les batteries. Faut que je retourne les récupérer. Je les ai payés 400. La logique. Ah oh putain, le pire moment du jeu.
Ouais, first try. La mauvaise foi. Ta, 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 ta. Ah putain. Par sauter? Si j'ai loupé un objet vital pour ma vie. Tu dois trop connaître cet endroit, toi. Pas vraiment. Maintenant que tu me fais la remarque, je crois que c'est bien la première fois que je viens au quartier général. Wesh, moi, on en a un peu parlé au quartier. Il paraît que les étages au-dessus du 60e, c'est spécial. Pour avoir des autorisations, tout ça, tu vois, là, les cartes, là, des trucs des riches. C'est là-bas qu'ils doivent avoir Milite. Il y a peu personne là, regarde, c'est que des faibles. Tiens, on y va. Attends une minute, ton plan c'est d'entrer comme ça par la porte? Bah, qu'est-ce que tu crois? Au Ticard, on passe par devant quoi. On est des bonhommes. Ça marchera pas, on doit trouver un autre moyen. Vas-y, sœur, comment tu m'embrouilles là? Faut y aller là, Mimi, elle nous attend. Je sais. Mais si on prenait par là. Dis, Claude, qu'est-ce qu'on fait? On fonce dans le tas. Ouais, vas-y, je préfère ça, frère. Mais d'abord, on va aller voir à droite parce que. Je crois qu'il y a un objet dans le couloir. Ben non. Faute de style, hein. On n'est pas encore dans la tour et pourtant. Ouh, la question que je me pose, c'est comme la grenade elle a raté, est-ce qu'on la récupère? Bah, ça devrait se passer. Et si je me rappelle bien, il y a un petit magasin sympathique au rez-de-chaussée dans cette tour. Bonjour. Excusez-moi, vous n'avez pas d'un rendez-vous? Non, on n'a pas besoin de rendez-vous. On est là pour une urgence. Tous ceux qui veulent garder la vie, ils ont intérêt à se casser et en vitesse. Mais qui sont ces gens? Vous croyez qu'il s'agit d'avalanche? Des intrus! Reparez-nous d'eux!
Les garçons, papa est à la maison. Votre tentative de vol a échoué. Vas-y, elle est trop nulle, Mia. Hein. On dira à Mia qu'il faut qu'elle s'entraîne à voler les gens. Hein. Non, mais ça va plus du tout. Hein. Regardez, deux échecs à la suite. Pas tout de mettre une mini-jupe, hein, mais si on n'arrive pas à voler les gens, hein. Vas-y frère, viens, faut y aller. Ces odieux terroristes nous courent après. Au secours! Au secours! Au secours! Le troll de compète, vous savez. Là, il y a une petite voiture toute mignonnette. Là, nous avons le magasin. J'entends des bruits. Qu'est-ce qui se passe? Rien, vous inquiétez pas. Notre promo du jour est... Ah! Prenez la caisse! On veut pas de votre argent. Vas-y, sœur, nous on veut pas de ton pognon, on n'est pas des voleurs. On vient juste récupérer ce que ton patron nous a volé. Avalanche! Ah! Vas-y, t'inquiète pas, on va pas te faire de mal, sœur. On pourrait même te donner du pognon si tu nous aidais. D'accord, très très bien, oui, d'accord. Pourquoi pas? Qu'est-ce que vous voulez? Tu n'as rien. Mais je te laisse la vie. Vous n'avez pas la permission de voler ce coffre. J'ai pas la permission de voler un coffre. Quoi? Non mais tu plaisantes, j'espère. Quel VF de qualité. Ah, la qualité Bacal. Des heures et des heures d'entraînement pour faire des voix pourries et pas s'entraîner. Et... vous inquiétez pas, à un moment je vais me calmer, je vais arrêter de le faire. Ah là, il y a la moto, la plus belle. Comme une hirondelle. Prenons l'ascenseur. De toute façon, Chilo, elle est vexée parce que j'ai pas pris l'escalier. Je te comprends. Qu'est-ce qu'il y a? Je voulais pas faire du grabuge tant qu'on n'avait pas récupéré Millie.
J'aurais pas entendu me douter que c'était impossible. Arrête, tu me files les jetons. Wesh, y a des moments où même toi, tu combats pour d'autres gens. Mais t'es trompé à ton sujet, frère. C'est censé me faire plaisir. T'as vraiment un sale caractère, cousin. Va falloir te calmer. Hein. Vous savez qu'on n'a pas bougé du troisième étage depuis tout à l'heure. Vas-y, il se passe quoi, là? Il est tout cassé, l'ascenseur. Mais regardez. Vas-y, c'est trop nul. Arrête ce truc, Clad. On s'en fout de l'étage. Faut pas arrêter d'appuyer sur le bouton. Il y a plein de combats. Des fois ça marche, des fois ça marche pas, c'est comme ça. T'appuies pas sur le bouton bac, il va rien se passer. Reste pour toi. Ou un gros robot sentinelle avec un gros marteau. Ouais. Oh madame, qu'est-ce que vous voulez que je vous répare avec mon gros marteau ouais. Oui, on a pensé à un nouveau robot de défense. On s'est dit que le plus efficace c'était de mettre un robot qui ne peut pas bouger avec un gros marteau à la main. Oui, on a piqué l'idée à Laura dans City Hunter. Oui. Oui, Kaoru, oui, c'est ça, oui. Oui, vous aussi, vous regardez la VO. Oui, je comprends, oui. Oui. On voulait lui donner un flingue comme Ryo Saeba, mais le problème, c'est que les bras étaient trop fins. Et du coup, en fait, à chaque fois qu'il tirait, il tirait en l'air. On lui a donné un marteau. Après, la deuxième idée, c'était les poissons. Le truc, c'est que il marche pas très bien. L'attaque au coup de queue est pas terrible. Oui monsieur, on a vraiment des idées de merde. En même temps, nous sommes la Shira. On vous chie une bonne idée, mais ça veut pas dire que ça ira.
appliquer légalement, faut que ça serve. Peut-être sur la stat de chance, là, le vol. Je me demande sur quelle stat il se base en fait. Est-ce que c'est sur la rapidité ou... Je sais pas. Tranquille. Oh, moi j'essaie plus de lui faire croire que ce soit à qui que ce soit maintenant, bah 4 boîtes, tu sais bien. Tout le monde sait que c'est une vidéo enregistrée et que je ne réponds jamais aux messages. Même pas au tien. Ah, le 59e étage. Salut! Comment ça va? Mais voilà, vous m'agressez dès que j'arrive. Ouh là, on va avoir de la limite break là. Ok, elle arrive. Ok, mais faire un café après. On va finir ça quand même. Après tout, on est en live. Oh, le mec est live. Ta 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 ta.